D'audience et puis on va aller au bout, hein. Et de toute façon ce sera en replay sur mon mur et ce sera en replay sur ma chaîne YouTube, donc. Partagez alors. Bon, j'arrête ça. On a les droits au but. Je fais un petit... oui, parce que pendant la coupure, là, mettez les cœurs si vous voulez pas que ça coupe en fin de compte. Je sais pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai supprimé dans cette deuxième partie-là, j'ai supprimé les identifications. Parce que les gens qui foutaient un peu le désordre, là, c'est les gens qui d'habitude ne regardent pas nos lives.
J'ai l'impression qu'on identifie le mur de certaines personnes, ça énerve les gens et ils nous sabotent les lives. Donc, j'allais dire que pendant la coupure, là, j'ai profité pour lire un peu les commentaires de ce que certaines personnes écrivent. Et je ne sais pas, les Camerounais se rappellent, je ne sais pas si ce ministère-là existe encore, je ne sais plus quelle est la dénomination qu'on donne au ministère. Plus jeune, moi, dans les années 86-88, je me rappelle, il y avait ce qu'on appelait le ministère du plan et de l'aménagement du territoire. 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 La France a créé ce qu'elle a appelé le ministère de, je pense que c'est de l'aménagement, mais ils ont utilisé un terme là, des territoires. Des territoires. Des territoires. Territoires au pluriel. Des territoires. Quand elle dit des territoires, c'est au sens économique du terme. Par exemple, on dit la Bretagne. La Bretagne, ça, c'est ce qu'on appelle, on dit le territoire de la Bretagne. Ça ne veut pas dire que ça appartient aux Bretons, mais ça veut dire que c'est une aire géographique où originellement vivent, ont vécu ou vivent des Bretons et qui s'urbanisent parce qu'on le développe, parce qu'on y met des infrastructures économiques. Des zones industrielles, des zones de recherche, des grandes écoles, des ingénieurs, des IUT, des routes, des ponts, le TGV, etc., etc., des aéroports modernes. Et ça développe ces territoires, ça le rend cosmopolite et les gens y arrivent. Je l'ai dit, le professeur Maurice Kamto a créé le MRC, en a fait une plateforme ouverte. C'est ça qui le différencie des autres partis politiques. C'est une plateforme ouverte où les gens peuvent venir réfléchir, amener le fruit de leur réflexion, partager pour que ça dope l'activité économique dans notre pays, amener la réflexion pour que ça puisse aiguillonner. La réflexion, c'est un outil d'aide à la décision. C'est comme les statistiques. Mettez les cœurs, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Vraiment, les gens sont décidés aujourd'hui à nous faire la peau, là. Hein. On ne va pas faire de live aujourd'hui. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-en. Je ne sais même pas si moi, je vais en mettre. J'en aurais mis là. Je ne sais pas où on en met là. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs, ça va couper. Je pense que si cette fois-ci, vous ne défendez pas le live, moi, ça coupe. On va arrêter. Parce que je vois les gens, mais il y a plus de têtes de mort que de cœurs. Je ne sais pas, les gens sont décidés aujourd'hui, quoi. Ils aimeraient qu'on parle seulement de quel genre d'économie là, alors. Parce que quand on fait la théorie économique, vous dites que oh, c'est la théorie. Maintenant, quand on fait l'économie, vous criez. Et je dis à ceux qui font les têtes de mort, là, moi, si je veux, je refais la même conférence, je la préenregistre et je la poste sur mon mur. Vos têtes de mort, là, ne serviront à rien, donc ne vous fatiguez pas. Je peux la préenregistrer si vous voulez. Je vais faire la prochaine, là, dans quelques heures. Je vais la préenregistrer, je vais la poster sur mon mur. Vos têtes de mort ne serviront à rien. J'ai des applications ainsi que j'ai installées pour ça. Et quand je préenregistre, je peux faire un traitement. Bon, arrêtez ça. Voilà. Donc, je disais qu'il y a en France ce qu'on appelle le ministère de, je crois, c'est de la revitalisation ou la réaménagement des territoires. En France, c'est au pluriel. C'est parce qu'on considère, quand on dit la Bretagne, quand on dit la Corse, quand on dit la Normandie, là, c'est plusieurs villes, c'est plusieurs départements, c'est même plusieurs régions. Il y a la Haute-Normandie, il y a la Basse-Normandie. Mais on dit le territoire de Normandie. Parce qu'originellement, c'est les Normands qui vivaient là-bas. Donc, si je le dis encore, c'est parce qu'il y a tellement de manipulations dans l'espace public camerounais avec le tribalisme, etc., que vraiment, ça devient insupportable. Tellement de manipulations. Hein? On veut faire croire que, ouais, dès qu'on parle des Bassas, quand on parle du pays Bassa, on parle du territoire Bassa, ça ne veut pas dire que c'est une affaire des Babimbi, des Ngambé, des Ngorlong, des machins, non. C'est parce que c'est un espace camerounais vital du pays qui gagnera à être développé parce qu'il a des atouts. Ses enfants, sa population, son climat, sa culture, etc. Je suis même pas encore arrivé parce que je vais arriver au point de la culture. La culture, bah, ça peut animer le tourisme. La culture, quand on dit la culture, c'est pas danser la sicko, hein. C'est la cuisine, c'est le vestimentaire. C'est la musique, les contes, les bonbons, tout ça, ça fait partie de la culture.
Dans un pays comme celui où je vis là, on fait de l'analyse prospective sur les territoires. On fait les rapports consignés. Et c'est avec ça qu'on prend les décisions. Je comprends que ça ne. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas encore ça. Ils découvrent. Mais il va falloir que vous vous habituiez à ça. Et nous allons vous habituer à ça. Donc vous n'allez pas nous faire le ouaya ouaya la queue. Allez, dès qu'on veut parler, on dit que le territoire Bassa. Comment est-ce que Maurice Kamto aurait développé le territoire Bassa? Les gens sortent de derrière le boudin pour nous dire oh, on n'a pas besoin, vous les Bami. Ah, ça veut dire quoi ça? Moi, je suis Bassa, moi. Moi, je suis Bassa. Hein? J'ai grandi à Douala avec des gens qui n'ont jamais été en Gambie. Ils sont nés à Douala comme moi, ils ont grandi à Douala. Ils ont appris chez moi à parler le Bamileke. Moi, j'ai appris chez eux à parler le Bassa. La différence, c'est quoi? Si demain une opportunité économique m'amène à m'installer à Pouma ou à Ezeka ou à Edea, au nom de quoi tu me dirais que. Donc, celui-là, de toute façon, je l'aime déjà bloqué. Je ne vais même pas donner son nom ici, là. Et il ira faire ça ou bon, ça. Donc, je reviens à notre là. Je disais que c'est une réflexion sur ce qu'on appelle en économie un territoire. Un territoire, c'est un ensemble homogène où on retrouve des personnes qui peuvent avoir une même appartenance ethnique, etc., etc., qui sont dans la République. Mais on peut mener des réflexions pour voir comment, parce que ce territoire a des potentiels qui ne sont pas exploités depuis que nous sommes indépendants, depuis plus de 60 ans. Ça fait aujourd'hui, je crois, 60 ans, voilà. Ces potentiels ne sont pas exploités. Et nous menons une réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut exploiter un tel potentiel. Voilà. Donc, j'ai parlé des voies de communication. Communication, ça veut dire les routes, le chemin de fer, etc. Ou désenclaver le territoire ou le pays Bassa, comme on dit. Maintenant, je parle de les moyens de télécommunication. Les moyens de télécommunication, ça veut dire l'extension de la fibre optique vers Pouma, vers Ezeka, etc. Comme j'ai dit, la création d'un hub technologique, d'un centre d'incubation, hein, comme le projet que Bondiao avait, le développement de la recherche, hein, pour que nos startups ou nos PME locales puissent accroître la production de tout ce qui est high-tech, le développement de l'immatériel. Parce que je précise bien que l'avantage de tout ce qui est industrie immatérielle, c'est que vous n'avez pas besoin d'importer la matière première. Par exemple, pour fabriquer du ciment, on a besoin d'importer du clinker. Par exemple, pour fabriquer la peinture, nous avons besoin d'importer des surfactants, hein, d'Asie ou d'ailleurs. Mais pour produire des logiciels, on n'a pas besoin. On a besoin de l'intelligence des Camerounais, de leur savoir-faire, un peu d'énergie, une table de travail, un ordinateur. Ils peuvent concevoir des logiciels qu'ils peuvent développer. Voilà. Pour construire des logiciels, etc., 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 etc. Mettez les cœurs. Bon. Là, on est dans la merde. Voilà, donc on a besoin de ça. Nous avons besoin de relancer la production d'énergie matérielle. Et comme j'ai dit, le territoire ou le pays, ben ça se prête bien parce que dans cette zone-là, vous avez la possibilité d'amener la fibre optique, hein, comme j'ai dit, jusqu'au milieu, là, aux alentours de Pouma et Ezeka, d'amener la fibre optique et de créer un hub technologique. Voilà. Donc, ça, c'est dans les projets de perspective. Je pense que Maurice Kamto n'a pas eu le temps de délibérer parce que, bon, les événements que nous connaissons tous l'ont un peu pris de court et puis, bon, voilà. Mais je pense que une fois qu'il sera sorti de là où il est, il va adresser ça. On va devoir lui dire d'adresser ça parce que ça devient un problème avec des attaques récurrentes. Autre chose dont je n'avais pas encore, je n'avais pas développé, c'est qu'entre Douala et Yaoundé, entre Douala et Yaoundé, je ne sais pas exactement où, il y a la nécessité de construire un parc d'exposition. Tous ceux qui, comme moi, chaque année regardent la foire, souvenez-vous, quand Coty François avait commencé la foire, et d'ailleurs, lui, il a bien compris l'affaire. Quand Coty François commençait la foire, il a commencé la foire à Sombon, sur l'axe lourd. Ce n'est pas un hasard si Coty était allé à Sombon, c'est parce qu'il y a de l'espace là-bas. Mais l'État n'a pas accompagné Coty François. Il s'est débrouillé à Sombon sûrement. Pas d'énergie, pas d'espace terrassé, aménagé, les toilettes, les machins. Il s'est découragé, il est parti. Il est retourné à Douala. À Douala, il s'est baladé entre le parc des Princes, le parc Camtel, etc., etc.
Regardez la foire Yafé à Yaoundé. Je crois que ça a lieu pratiquement en plein centre de Yaoundé, sur la route. Les routes sont barrées. Regardez le truc de Promote. Ça a lieu au Palais des Congrès dans un espace exigu. Le Cameroun n'a pas un parc d'exposition. Ça n'existe pas au Cameroun. Un parc d'exposition, ça veut dire où on fait des foires, ça veut dire où on fait des grands salons professionnels. Comme en France, vous avez le parc d'exposition de Villepinte dans la région parisienne. Comment vous avez le parc d'exposition à Munich, de, je ne sais pas comment on appelle ça. Comme ici à Chicago, vous avez Marc. Le Cameroun n'a pas un parc d'exposition comme ça. Et donc, dans le projet de Maurice Kamto, il y avait la nécessité de construire un parc en PPP, c'est-à-dire en public, en partenariat public-privé. Et ce parc, justement, c'est comme Coty avait imaginé très bien, c'est dans le pays bassin, là, parce qu'en fait, il y a la disponibilité de l'espace. Sur 1000 hectares, vous pouvez faire un parc d'exposition. Si vous faites une voie express, la voie express permet désormais de relier Douala Yaoundé en 2h30, avec une voie de contournement dédiée pour éliminer les embouteillages. Ça permet de faire Douala Yaoundé en 2h30. 2h30, ça veut dire que vous pouvez bien installer un parc d'exposition quelque part juste au milieu, sur 1000 hectares, et désormais tous les grands salons internationaux se tiendront dans le triangle Douala Yaoundé, Kribi et la région du Grand Ouest Cameroun. Vous avez le rail qui peut amener les gens du nord. Vous avez la route qui vient de Bafang ou Barenté qui peut relier, aider à donc prendre la voie express. Vous avez Kribi, vous avez Douala. Tout ça se tient dans un périmètre en dehors du train, mais de la route, dans un périmètre de 2 heures. Donc, ça permet d'avoir un grand centre national d'exposition, de conférences, de tout ce qui est activité de business, des affaires. Nous n'avons pas ça. Regardez qu'on dit une fois, Douala, ça a lieu à la maison du parti. Franchement, ça fait honte. Qui est-ce que vous allez déplacer en France pour venir à la maison du parti, là où on se marche sur les pieds, les stands ressemblent à des petits taudis en contreplaqué, même Promote, ce n'est pas sérieux. Donc, il y a la nécessité de construire en partenariat public-privé un grand centre d'exposition. Or, l'espace entre Douala, Yaoundé, Kribi, l'Ouest, etc., est relié bien par le chemin de fer. Donc, les gens peuvent venir du nord et de la zone anglophone au Cameroun qui a cet endroit et où la terre est accessible et bon prix. C'est le Pays Bassa. Donc, dans cet endroit-là, Maurice Kamto nous a demandé de réfléchir à la construction d'un parc d'exposition. Non. Quand on dit réflexion, ça veut dire que nous essayons de nous procurer les maquettes. Nous essayons de nous procurer les maquettes. On essaie de regarder les plans, comment les autres ont fait ailleurs. On essaie d'identifier les sources de financement, etc., etc., etc. On essaie de faire certains chiffrages. Mais après, la réalisation sur le terrain, c'est autre chose. Donc, la nécessité de faire un grand centre d'exposition. Ça, c'est dans les ambitions de Maurice Kamto de cet endroit. Voilà. Ça a un avantage compétitif, dont je les ai énumérés, le train, la route, la proximité de plusieurs villes, etc., 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 etc. Maintenant, une fois qu'on a parlé des infrastructures, je vais maintenant parler de ce qui concerne les populations. Ça, c'est important. Mettez les cœurs. Aïe, aïe, aïe. Je vais parler maintenant de ce qui concerne les populations. En ce qui concerne les populations, il y a trois choses. La relance de l'agriculture et de l'élevage, l'aménagement du territoire, le développement du tourisme, la construction des infrastructures sociales. Ça, c'est très important. Je dis ça pourquoi? Parce que dans le projet, dans le projet qu'on a imaginé pour la construction des infrastructures au plan local pour le professeur Maurice Kamto, il y a la nécessité de construire, il y a la nécessité de construire. Si vous ne mettez pas les cas, ça va couper. Et si cette fois-ci ça coupe, je vais abandonner parce que c'est vous qui défendez pas le live. C'est clair, on n'est pas très nombreux, mais défendons le live quand même, mettons des cœurs pour que ça ne coupe pas. L'aménagement du territoire, comme j'ai dit, vous voyez très bien que si dans une zone comme ça, on refait le barrage de Somloulou, on réorganise, on refait une restructuration industrielle de la Lucam,
on crée une zone industrielle autour de la Lucam pour que les produits semi-finis de la Lucam soient désormais transformés localement pour irriguer le marché africain. On fait une zone logistique. On fait une zone économie spéciale. On fait un hub technologie. On fait un centre d'exposition. Et on agrandit la route Douala-Yaoundé pour faire une voie express. Douala-Kribi pour faire une voie express. Vous comprenez que la densité démographique va augmenter. Et le professeur Kamto a dit, voilà, si la densité, ce qui va se passer, c'est que la densité va augmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'on ait un second Douala, c'est-à-dire que beaucoup d'habitats spontanés et tout le monde s'entasse là. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer d'étaler la population, d'où la nécessité de créer ce que les Français ont créé, qui marche très bien. Ça s'appelle un TER, train express régional. Train express régional. Ça, c'est ce que les Français ont réussi, qui marche bien. Train express régional, le Pays Bassin étant à cheval entre deux régions, la région du centre et la région du littoral. Et comme les activités vont couvrir l'ensemble du pays, il peut bien avoir un train express régional qui vient de Yaoundé jusqu'à peut-être à une ville au milieu et un autre qui vient de Douala jusqu'à ce qu'il y ait une ville au milieu qui parcourt la distance en 1h30. Parce que le train parcourt ça en 3h ou 4h. Qui parcourt la distance en 1h ou 2h. Ça permet que les gens se lèvent à Pouma, vont travailler à Edea et retournent chez eux à Pouma. C'est le cas en France. C'est-à-dire que quand vous allez dans des régions comme la Bretagne, des trains express régionaux ou bien l'ouest de la France. Vous avez peut-être, vous prenez le Mans, vous allez jusqu'à Alençon, et tout le long, là, il y a les trains express régionaux, ça s'arrête dans tous les villages, là. Les gens prennent le train pour aller travailler au Mans, et ils rentrent le soir. Ils prennent le train à quelque part, là, ils vont travailler à Alençon, et ils rentrent le soir. Donc, la nécessité de faire un train express régional, qui peut partir de Douala, il arrive à Edea, il prolonge, il va, je ne sais pas moi, jusqu'à une ville, là, il s'arrête. Mais ça permet que les gens puissent partir, les gens ne puissent pas tous venir habiter. Par exemple, ceux qui travaillent à l'UQAM n'habitent pas tous à Edea. Ils peuvent habiter en Gambès, si par exemple le train fait 30 minutes. Ils vont prendre le train le matin, 30 minutes, ils vont travailler à Edea et ils rentrent. Ça permet de créer des villes, l'aménagement du territoire. Ça permet d'avoir des villes de 50, maximum 100 000 habitants. Donc, ça évite l'inflation sur le foncier. Ça limite les risques de sécurité. Et ça permet d'aménager le territoire en recréant de la ville partout. Ça, on a travaillé dessus. Le programme d'aménagement du territoire, le TER, c'est pour limiter la concentration urbaine. Créer des villes de 50 000 habitants, 100 000 maximum, ça permet que des zones comme Matom, Ezeka, Boumniebel, Maka, Edea, Ngambé, Sabaemé, etc., Msondo, tout ça, que ça devienne des villes, des petites villes de 50 000 personnes. Et en plus, si vous ajoutez la délocalisation, ou la délocalisation, la régionalisation, le fédéralisme que le professeur Kamto veut mettre en place, qui crée une gouvernance locale et donne les moyens aux maires de commencer à travailler, aux élus locaux, vous avez un plan pour commencer à faire que quand on parle de Douala, Poala et Yaoundé, qu'on ne voit pas les deux côtés la forêt et qu'après les politiciens viennent manipuler cette population en disant que voilà, c'est une affaire de Bami et tout et tout et tout. Non. Ça veut aussi démontrer une chose, c'est que ouais, partager, tu n'arrives pas à partager. Ouais, moi, je trouve ça bizarre. C'est vrai, on est vraiment dans la merde. Aujourd'hui, là, Sidonie Tommy. Je vais essayer de voir après, à la fin de ce live-là, il y a des choses que je vais essayer de regarder. Donc, ça permet de faire que, dans notre pays, qu'on ne parte plus de le pont de la Dibamba jusqu'à Otélé et que des deux côtés, on a que la forêt. Sauf peut-être Edea. Donc, ça veut aussi démontrer que on doit sortir du débat tribal pour entrer dans le débat économique et que les hommes politiques qui viennent parler à la télévision ou les activistes qui viennent parler doivent désormais mettre sur la table la prospective économique, sociale, sociologique, anthropologique, tout ce que vous voulez. Mais doivent faire de la prospective. Doivent dire voilà les problèmes, voilà les solutions que nous envisageons. Après, les solutions peuvent être chiffrées ou pas. Mais voilà les solutions que nous envisageons. Dans tous les cas, nous qui sommes entourant le professeur Kamto, en ce moment, il ne peut pas parler. Mais nous disons qu'il y a des solutions. Et qu'on évite de tribaliser toujours les choses. Ah, c'est une affaire de Bami. Non, ce n'est pas une affaire de Bami. C'est une affaire du Cameroun que les gens ne veulent pas construire. Mais nous savons comment le construire. Et nous avons un leader en qui nous avons une foi inébranlable. Et nous savons qu'à partir du moment où il y a les idées, à partir du moment où il y a l'expertise, lui va le faire.
parce qu'il a la volonté, parce que c'est un homme intègre, parce que c'est un homme qui aime le Cameroun, qui vibre pour le Cameroun et qui a envie de voir notre Cameroun, tout ce qu'on voit, qui est scandaleux. Voilà. Hein? La création d'un TER, ça permet de faciliter la mobilité des travailleurs. C'est ce qui manque à notre pays. Hein? Je pourrais encore... On fera un live pour parler, par exemple, du cas de la ville de Douala, où rien n'est fait pour faciliter la mobilité des travailleurs. C'est la pareille. Quelqu'un, c'est vous-même, vous voyez ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Les gens disent qu'ils font 5 heures pour sortir de Douala pour aller, en allant vers Yaoundé. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures de communication. Par exemple, j'ai vu le ministre des Transports, ça m'a beaucoup fait de travaux publics, ça m'a beaucoup fait rire. C'est quelqu'un que je connais, mais ça m'a beaucoup fait rire. Moi, je m'attendais à voir le ministre des Transports dans une circonstance pareille. On utilisait le rail, on faisait des rames, on mettait un train qui fait la navette entre la gare de Douala et la gare de Déa, par exemple, pour que les gens prennent le train à 500 francs à la sortie de la gare de Douala, vont jusqu'à la gare de Déa. À la gare de Déa, ils prennent le bus pour monter à Yaoundé. Ça ferait que certaines agences n'arrivent plus jusqu'à Douala. On appelle ça le ferroutage. On combine le rail et la route. On limite. L'État met les moyens et dit que voilà, vous voulez voyager, oui. Vous allez payer votre ticket chez Garantie Express. Garantie Express vous amène jusqu'à la gare de Douala. Il y a un train qui, moyennant 500, que je facture à Garantie, vous amène jusqu'à Edea. Et à Edea, vous embarquez dans le bus pour aller à Yaoundé. Idem quand vous revenez. Ça aurait décongestionné les gros porteurs, là, les grands bus à l'entrée de Douala et ça aurait fluidifié la circulation. Ça s'appelle l'aménagement du territoire. Ce n'est pas sorcier que de le penser et de le dire. Mais on a un système qui est bloqué, qui ne fonctionne pas. Donc, dans le cadre du programme de Maurice Kamto, une fois que j'ai fini de parler des infrastructures, je parle maintenant de la politique, policy, economic, social policy. La politique économique et sociale. C'est-à-dire que celle qui touche maintenant les hommes, la mobilité des hommes, l'aménagement du territoire, l'urbanisation contrôlée, le développement des cités, des villes et des collectivités locales, recréer de la vie, inverser l'exode rural, ça veut dire que plutôt créer l'exode urbain vers les villes à zone rurale. Avec une telle politique, vous allez voir que les gens vont revenir. Ce sera l'effet inverse. Les gens vont revenir. Les gens vont plus s'entasser à Douala, les gens vont partir de Douala. Et vous avez un territoire qui est entre deux grandes villes, maintenant trois, parce que si j'ajoute Kribi, quatre même, si j'ajoute la région de l'Ouest. Mais il n'y a pas de politique, c'est parce qu'il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire. À l'époque, d'ailleurs, il y avait le ministère du plan et de l'aménagement du territoire. Maintenant, il y a un ministère de l'économie et la planification, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi. La France a un ministère de l'aménagement des territoires. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Maurice Kamto créerait une gouvernance locale et mettrait en place un plan d'aménagement des territoires. Et dans le cas des plans d'aménagement des territoires, je voudrais plus, par exemple, la nécessité de créer un train express, deux trains express régionaux pour faciliter la mobilité des travailleurs. Voilà. Ensuite, il y a la relance de l'agriculture et de l'élevage. Parce que ça, ce n'est pas les infrastructures, c'est des programmes que l'État met en place pour permettre aux populations locales d'utiliser leurs atouts de compétitivité, ça veut dire la terre agricole. La terre agricole est disponible. Vous avez vous-même suivi le scandale qui a eu ces jours-ci là de bradage des terres agricoles de notre pays à des entreprises privées chinoises. Je fais la précision parce que je vais revenir dessus, je vais faire un live dessus. D'aucuns disent même que c'est les Chinois qui seraient en train de signaler. Ce n'est pas 125 000. C'est 125 000 hectares cédés aux entreprises privées. Mais il y a aussi les terres cédées aux entreprises publiques. Il y a les terres cédées aux États locaux chinois. Il y a les terres cédées via des montages par des entreprises chinoises domiciliées à Singapour. Quand on additionne ça mot à mot, ça fait 500 000 hectares pour la Chine. Je rappelle que même les Indiens ont acheté aussi les terres, les Européens, etc., etc. Cette affaire, ça ne fait même que commencer. On va aller regarder à peut-être 2 à 3 millions d'hectares de terres qui ont été cédés au sud. On va revenir. J'ai une bibliothèque digitale ici. J'attends qu'on me donne certaines autorisations. Je vais balancer du lourd sur le net là. Vous allez voir. Ça va cracher un peu. Voilà. Donc, dans la politique de Maurice Kamto, il n'est pas question de céder les terres des autochtones à leur insu. Non.
Il est question de mener une réforme agraire pour leur donner, pour consolider, comment ça se fait dans tous les pays, parce que au lieu de faire une agriculture très petite là, où on cultive un hectare, un demi-hectare, non. On peut mettre en place des coopératives de producteurs et consolider les hectares, mais en donnant les titres de les parcelles. Consolider les parcelles, mais en donnant des titres de propriété. Voilà. Là. Mes frères, mettez les cœurs, sinon on est mort. Franchement. Je ne sais même pas si vous êtes là. Hein. Si vous êtes là, mettez les cœurs. Sinon, ça va. Parce que les gens qui veulent que le direct s'arrête, ils sont plus nombreux que ceux qui le regardent. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent les têtes de mort, franchement. Qu'est-ce que je dis qui soit dangereux là? De toute façon, tous les gens qui ont mis les têtes de mort là, je vais vous bloquer tous. Sans état d'âme. Donc, comme je disais, il y a la nécessité de relancer l'agriculture. Donc, le premier facteur, c'est mener une réforme agraire. Mener une réforme agraire pour consolider les espaces cultivables. Les gens, 2, 3 hectares, leur donner les titres de propriété. Ça, vous lisez le programme de Maurice Kamto, ça y est. Il a dit, bien dit, mener une réforme agraire, donner des titres de propriété, consolider les terres pour que les gens aient la capacité dans une truc coopérative de créer 20 hectares, de créer 100 hectares de plantation. Ensuite, il a très bien dit qu'il allait mettre en place un semencier national pour que les gens puissent avoir les semences gratuites. Ça, c'est un. J'en parlerai lorsque je parlerai de ce qu'on appelle le package stimulus. Comment Obama a fait le package stimulus pour relancer l'économie aux États-Unis. Il y a eu des programmes comme ça. Où l'État dit, voilà, je vais relancer l'agriculture, on donne gratuitement les intrants aux planteurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle government transfer. To raise aggregate supply. C'est de l'économie. Quand vous lisez ça ici aux États-Unis, vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la mouche qui a piqué les gens comme bien pour qu'ils cliquent pour les programmes à destination des agriculteurs? D'ailleurs, on a augmenté de manière exponentielle les per diem qu'on donne aux fonctionnaires. Donc, on a tué le monde rural. Maurice Kamto dit qu'il va revenir aux fondamentaux. Production des intrants agricoles chez nous, donc création d'un semencier national, créer lancement de la production d'engrais. Parce que quand on commence à produire de l'engrais, quand on commence à produire des semences, quand on commence à produire des pesticides, quand on commence, etc., 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 on les met gratuitement à la disposition des paysans. Ça permet de relancer l'agriculture. On fait des réformes agraires, ça permet de relancer l'agriculture et l'élevage. Et quand vous regardez la zone, ce qu'on appelle le pays Bassa, là, l'un des avantages compétitifs qu'ils ont, c'est le climat pour cultiver de l'huile de palme, les oléagineux, l'huile de palme, le palmiste. Je crois savoir, mais je peux me tromper, je suis pas un ingénieur agronome, qu'ils ont aussi le meilleur climat pour cultiver le tournesol. Puisqu'ils sont arrosés avec la sanaga, etc., si on fait une bonne irrigation, ils peuvent produire les céréales, le maïs. Ils peuvent produire les légumes. Ils peuvent faire la pisciculture. Ils peuvent faire la pisciculture. Ils peuvent faire la pisciculture. Et j'ajouterai une chose qui est très importante. Très, très importante. Avant que je parle, je parlais, bon, je suis l'arboriculture. Il y a une plante qu'on entend vraiment développer dans cette zone-là, c'est la culture du manioc. D'abord, ceux qui connaissent cette zone savent que la population locale consomme aisément le manioc, le produit, toutes ces formes de produits. Mais le manioc, selon un travail que m'a remis quelqu'un que je ne vais pas citer forcément dans le live, qui était un fonctionnaire international, que j'avais envoyé au professeur Kamto. Il montrait les 300 produits dérivés du manioc. C'était un rapport d'un organisme de l'Union africaine et que j'avais remis au professeur Kamto, qui montrait les 300 produits dérivés du manioc. Ça veut dire qu'on peut faire le manioc pour faire la farine de chez les meuniers, là. Les meuniers, là, c'est que ceux qui fabriquent la farine pour les beignets, etc., etc., peuvent travailler avec le manioc. On peut faire la manioc pour faire le manioc pour faire le foufou, le cassava, les machins. On peut utiliser la peau pour faire l'alimentation pour animaux, etc. Il y a 300 produits dérivés du manioc.
Donc, avec nos zones économiques spéciales dans le pays Bassa, on peut bien faire la culture intensive du magnon pour pouvoir alimenter les usines de transformation du magnon. Et c'est dans le projet. C'est dans le projet. La culture du manioc, la transformation du manioc. On a regardé, c'est moi qui ai même sélectionné les vidéos sur YouTube là. On a regardé une, sélectionné, j'ai regardé près de 80 vidéos. J'en avais sélectionné près d'une dizaine. Et des vidéos qui vont de 10 à 30 minutes. Et j'ai d'abord envoyé au professeur pour regarder. En plus, la documentation, etc., etc., fait par beaucoup d'experts africains. Voir ce qu'on peut extraire du manioc, de la feuille jusqu'à la tubercule, etc., etc. Toute une économie autour du manioc. Donc, avec une zone économique spéciale, on peut faire de l'agro, on peut faire de l'agro-industrie en se basant sur le manioc, sur le maïs, sur le palmier à huile, sur les légumes, la culture des champignons, et le tournesol, etc., 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 etc. Je dis que ce n'est pas du bavardage en l'air. C'est des projets qui ont bien été chiffrés. Moi, j'ai simplement pris l'initiative d'en parler parce que je suis tombé sur des conversations d'un certain groupe WhatsApp où il y a vraiment de l'animosité vis-à-vis du professeur Kamto. Je pense qu'il y a de la manipulation à l'intérieur. J'ai fait cela pour démontrer que l'homme, Maurice Kamto, pour ceux qui le côtoient, il a des ambitions pour tous les territoires du Cameroun. Et j'ai choisi de parler de celui-là. Voilà. Donc, j'ai parlé de la relance de l'agriculture. J'ai parlé de la relance de l'élevage. Élevage des poulets, élevage des poussins. Parce qu'il y en a qui me disent, oh, non, l'élevage, on peut seulement faire ça à l'ouest parce qu'il fait chaud. Je précise qu'en Arabie Saoudite, là où il fait 80, 70 à 80 degrés, à l'ombre, on élève les poulets. Donc, je ne vois pas pourquoi dans le pays Bassa, là où il fait 30, 35 degrés, on élève, dont la moitié de ça, on n'élèverait pas les poulets. Il y a la technologie aujourd'hui adaptée pour faire ça. Il y a les équipements. Simplement, il faut que l'État mette en place des programmes pour amener les gens à produire. Voilà. Hein, donc, voilà. Les plantations communautaires, j'en ai parlé. La langue d'agriculture, l'aménagement du territoire. Autre chose, le développement du tourisme. Ça, je parle des choses qui touchent directement les populations. Le développement du tourisme. Donc, le territoire qu'on appelle le pays Bassa, a un gros potentiel touristique. Hein, les grottes de Morli Touba, nous connaissons tout ça. L'histoire du Cameroun qui s'est écrite là-bas de manière très émotive, avec le parcours où Niobe a trouvé refuge, où il a été enterré à Boumnébel. C'est fort de la charge émotive de l'histoire de notre pays. La culture même, hein, des hommes, le vestimentaire. L'art culinaire, les sites historiques, les plages de Mwanko, autour desquelles on envisage de faire des villages de vacances. C'est les projets que nous avons décidé, nous avons montré. Et nous avons montré au professeur Kamto ce qui s'est fait à l'île de Penang, en Malaisie. Et on lui avait dit comment on peut transposer ça au Cameroun. Voilà, sur les plages de Mwanko. Simplement, il faudrait que quand les investisseurs viennent, que l'État ait créé un cadre juridique et incitatif. Et avec moins de corruption, pour que ces investisseurs puissent implémenter leur projet. Sans qu'on leur dise, tu me donnes quel pourcentage, quel pourcentage, quel pourcentage. S'il est venu pour investir 100 milliards de francs, quand il a fini d'avoir, quand il a le papier définitif, il lui manque 80 milliards. Il lui manque 15 milliards, même 85 milliards est parti en trop. Non. Ceux qui connaissent l'intégrité du professeur Kamto savent que, quant au président, s'il dit que voilà, les investisseurs, on amène les investisseurs, on dit, nous voulons faire des villages de vacances pour que sur les plages de Mwanko, chaque année, 1 million de personnes viennent se reposer avec le climat à saison, à contre-saison. Il va faire que le projet aille vite. C'est le tourisme. Et je dis le tourisme parce que ça impacte la population. Aujourd'hui, l'hébergement, ce n'est plus comme par le passé où tout le monde doit être hébergé forcément dans les hôtels. Vous avez les systèmes Airbnb aujourd'hui. On peut créer un Airbnb camerounais. S'il y a la sécurité, s'il y a des villes où la densité démographique n'est pas très importante, les gens peuvent se loger chez les particuliers avec les systèmes comme Airbnb. Donc, ça augmente le revenu des Camerounais. C'est important à dire. Maintenant, j'en viens aux infrastructures sociales.
Quand vous avez lu le programme de Maurice Kamto, ça, ce que je dis là, là, je peux dire maintenant, ça, c'est le MRC. Vous prenez le programme de professeur Maurice Kamto, vous allez voir à l'intérieur que la question de l'éducation a été une de ses priorités. La question de la santé. Quand vous regardez le territoire du pays Bassala, dites-moi où il y a un ou deux bons lycées d'enseignement technique. Je dis technique. Où on enseigne vraiment la technique. Un IUT. Où à Maka, à Ezeka, à Boumnyebel, à Edea, à Ngambé, à Pouma, à Msondo, à Matom, où même en allant avec Kribi, il n'y a pas d'IUT. Or, Maurice Kamto dit, moi, président, je vais équiper au moins chaque arrondissement d'un lycée d'enseignement technique et chaque département au moins d'un institut universitaire de technologie. Et si nous sommes dans un système régionalisé au fédéral, c'est seulement le transfert des crédits et des compétences pour que les collectivités locales construisent. Donc, ça veut dire que l'éducation sera au cœur parce qu'il faut former les hommes. Deuxièmement, pendant la campagne, pour ceux qui ont suivi le président Luc Kamto, il a très bien parlé de faire de la formation. Ce que les anglo-saxons appellent bring easily people to the labor market or allow people to participate easily to the labor market. C'est ce que le gouvernement Kamuna a oublié de faire. On passe le temps à former les gens qui empilent les diplômes. Maîtrise, doctorat, blablabla. Ce matin-là, vous allez dans une entreprise américaine, vous passez des gens qui viennent pour des entretiens d'embauche, vous voyez quelqu'un qui veut être recruté comme je ne vais pas donner les noms ici parce qu'il pourrait regarder ça, c'est une faute professionnelle, mais qui veut être recruté dans certains niveaux, dans la comptabilité, ils n'ont en tout et pour tout que le bac. Mais ils ont 10 années de formation interne. Des programmes de formation interne pour faciliter l'insertion professionnelle. Or, vous avez bien vu Maurice Kamto pendant la campagne, il a exposé ses propositions pour que les enfants qui n'ont pas pu avoir une scolarité normale, qui ne soient pas les laissés pour compte sur le trottoir, qu'on puisse donner des formations pour qu'ils puissent rapidement s'insérer dans le monde du travail, soit comme des auto-entrepreneurs, ça veut dire la coiffure, le métier du bâtiment, mais qu'on les forme parce que 90% des travailleurs du bâtiment aux États-Unis n'ont même pas un diplôme, même le BEPC. Parce qu'on les a formés, ils ne veulent même pas aller même avoir ce diplôme-là. Chez nous, ils en ont comme ça. Mais il faut qu'on commence à mettre en place des programmes de formation pour qu'ils deviennent des auto-entrepreneurs dans le bâtiment, dans les services, etc. Mais qu'on les forme aussi pour qu'ils puissent facilement entrer s'insérer dans le monde du travail. Que ce soit dans les usines, que ce soit dans les entreprises de services, comme la logistique, comme le transport, comme l'hôtellerie, etc., le commerce, etc. Non, ces programmes sociaux-là sont design ou désignés ou conçus pour pouvoir, comme on dit, meet the requirement, être en phase avec les besoins des populations locales. Nous savons tous que la zone Sanaga-Maritime, jusqu'à Otéyé là-bas, il y a un gros exode rural. Les gens sont partis parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut recréer, ils peuvent revenir. Ça dépend. S'ils sont formés, ils peuvent apprendre à fabriquer des rotins, ils peuvent apprendre à fabriquer des meubles en bois, ils peuvent apprendre à travailler de la pierre aux alentours de Kouma. Il y a plein de métiers, mais il n'y a pas de programme d'État. Or, Maurice Kamto propose dans son programme des programmes pour pouvoir régler ces problèmes-là. Je pense que ce n'est pas sorcier que de le dire. Ensuite, il y a les questions sanitaires. La construction des infrastructures de santé. Je renvoie les gens à aller regarder le programme de Maurice Kamto. Et mieux, lui, il a dit qu'une assurance maladie minimum, au moins pour les maladies minimum, les maladies bénignes, pour que les gens puissent avoir accès à une assurance santé. Je pense que l'assurance santé, si on dit que c'est destiné aux Camerounais, si quelqu'un est né et a grandi dans la Sanaga-Maritime ou dans le Nyon-Ekédé, on ne va pas lui refuser ça. Donc, il y a l'assurance maladie. L'assurance maladie, pourquoi? Parce que la politique du gouvernement camerounais, c'est que quand on dit ministère de la Santé, le ministre de la Santé, lui, c'est il est là pour homologuer les médicaments que les Camerounais vont avaler.
Or, les Camerounais sont mal soignés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé. Je dis bien, les Camerounais ne sont pas bien soignés parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé. Et l'objectif, je fais partie de ceux qui ont réfléchi sur l'assurance maladie minimum avec Maurice Kamto. L'objectif de l'assurance maladie minimum, c'est que les Camerounais aient accès aux soins. Ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital, le médecin doit pouvoir vous faire une radio. C'est ça les soins. La radio, ce n'est pas les médicaments. La radio. Le médecin doit pouvoir vous faire une radio. Le médecin doit pouvoir vous faire des examens biologiques. C'est-à-dire on prend votre sang, on prend vos urines ou on prend vos selles et on fait des analyses. Ça doit être gratuit. C'est le but de l'assurance maladie gratuite. Le médecin doit pouvoir vous faire un scanner de la tête gratuit. Ça, là, ce n'est pas importé. Il suffit de mettre en place les équipements et de former les hommes à l'utilisation et à la maintenance de ces équipements. Et l'assurance maladie gratuite, ça fait partie de ce qu'on appelle en économie les government transfers. Vous soignez les gens. C'est dans le budget. Et on sait comment mettre ça en place en coupant tous les frais d'émission fictifs que les gens font à l'étranger. Là. On coupe ça et on transfère ça pour financer l'assurance maladie. Ça permet que les gens aient les soins. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit, monsieur, la consultation, c'est 5 000 francs. Vous avez payé la consultation, 10 000 francs, vous avez payé la consultation. Mais quand vous payez la consultation, si vous prescrivez les examens, que les examens soient gratuits. Que les examens soient gratuits. Parce que c'est l'État qui prend ça en charge, c'est l'État qui met en place les équipements, c'est l'État qui donne les dotations pour pouvoir entretenir ces équipements, c'est l'État qui paye pour la formation de ces hommes, etc., etc. Que quand l'hôpital finit, il bille l'État, il envoie la facture à l'État. Et sur les fonds de l'État, on peut payer ça. Après, maintenant, les médicaments, on peut payer. Ça permet qu'on soit bien soigné. Pourquoi les Camerounais meurent? Parce qu'ils vont à l'hôpital, quelqu'un a une tension qui n'est pas bonne, on lui prend la perfusion, on lui met. Alors que c'est forcément pas ce qu'il fallait faire. Parce qu'il n'a pas l'argent pour qu'on puisse faire certains examens, etc., etc. Ça s'appelle les soins. Et le but d'une assurance minimum, c'est de couvrir ça. Maurice Kamto a dit, je fais l'assurance maladie. Gratuit, minimum, il avait dit. L'accouchement gratuit pour les femmes par césarienne, pour limiter la mort, je veux dire. Si c'est pour les Camerounais, donc ça s'applique aussi aux personnes qui sont originaires ou qui résident sur le territoire. Bah ça, ça c'est dans le programme de Kamto. Pour ceux qui ont regardé son programme, il a dit qu'on doit mettre des efforts sur l'éducation de base. L'éducation de base est gratuite et augmenter le nombre d'instituteurs ou de maîtres, comme on appelle, et améliorer leur traitement. Ça va aussi s'appliquer au pays bassin pour rattraper, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'enseignement secondaire est très mauvais parce qu'à la base, le travail qu'il devait faire n'a pas été fait. Les maîtres sont très mal payés. Nous, quand on allait à l'école, nos maîtres achetaient les maisons à Bonamou Sadi. Aujourd'hui, je ne sais pas si un instituteur même a encore l'argent pour payer un Benskin, pour monter sur le Benskin. Donc, quand on réorganise tout ça, et si vous vivez dans cette zone-là, où moi je vois, il y a des instituteurs, je connais bien un programme qui avait été soutenu par la Banque mondiale. Il y a des gens qu'on avait envoyés là-bas, mais qui n'étaient jamais partis, parce qu'ils te disent qu'il n'y a même pas d'infrastructure pour se loger. Ils étaient obligés d'aller dormir sur un petit lit, dans un petit coin, chez une mémé, avec la fumée et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut. Il y a des programmes sociaux. C'est des programmes qui touchent les personnes. C'est dans le programme de Maurice Kamto. Donc, on ne peut pas dire qu'un homme politique comme Maurice Kamto se lève avec une ambition de devenir président au Cameroun. C'est pour détester les Bassa. J'ai lu des choses dans un groupe WhatsApp ici. C'est très grave. D'où la nécessité de faire un live comme celui-ci pour expliquer les choses. Pour dire que, mais dis donc, arrêtons de diffamer. Arrêtons de diffamer. Comme je l'ai dit, la nécessité pour Maurice Kamto de développer, comme il a dit lui-même, la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est pour faciliter l'accès des populations au marché du travail. Ce que Paul Biya n'a pas fait jusqu'à présent. Il a laissé un système avec les probatoires qui bloquent les enfants, et les ceci, les classes à 120 élèves, etc., etc. On dit non, il faut avoir le bac pour aller être dans la fonction publique, passer le concours de l'ENAM.
quand on te dit, moi, je vais donner la chance, même à l'enfant qui n'a pas pu avoir le CP, de s'insérer dans le travail, marché du travail, avec beaucoup de mérite. Parce qu'il peut devenir charcutier, il peut devenir boucher charcutier, il peut devenir poissonnier, il peut devenir coiffeur, il peut devenir charpentier, il peut devenir électricien, plombier, il peut devenir maçon. Mais le problème, c'est qu'on doit lui donner la meilleure formation possible. Et l'État doit payer. Et il avait lui-même dit, cette formation doit être faite par des seniors qui sont passés par là, qui au lieu de travailler éternellement, à un moment peuvent se reconvertir dans la formation des plus jeunes. Voilà. La priorité au social, dans le programme de Kamto, les programmes sociaux, je le répète encore, l'assurance maladie minimum pour les Camerounais, on a chiffré ça, ça ne coûte pas cher. L'assurance maladie, ça couvre les soins. Et les médicaments pour les maladies bénignes, la palud, dysenterie, diarrhée, ça ne coûte pas cher. Parce que tous les brevets de ces médicaments sont tombés dans le domaine public. Si on met une industrie pharmaceutique, là, ça coûte 500. Et en plus, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Il y a des combines dans le domaine de médicaments au Cameroun. Quand vous êtes malade ici aux États-Unis, je vous aurais montré la boîte. Le médecin dit, bon voilà, je veux que vous preniez les comprimés là pour 10 jours. Si c'est un comprimé par jour. Vous allez à la pharmacie, on compte 10 comprimés, on met dans une boîte orange, on vous donne. Au Cameroun, vous allez à la pharmacie, vous achetez 60 comprimés, alors qu'on n'avait que besoin de 10 comprimés. C'est pour ça que les Camerounais vont au gazon. Mais si on avait une industrie pharmaceutique locale, avec un plan gouvernemental, on commence à mettre un système où les gens n'achètent que ce dont ils ont besoin dans les pharmacies des hôpitaux. Si ça se trouve, le médicament va coûter 200, 300 francs pour un palu. Donc, des réformes que Paul Bert n'a pas fait, qui n'a pas fait, qui ne fait même pas. Là, il est là, il a le suicide là, mais il n'a même touché aucune réforme. Tout ce qui intéresse, c'est tabasser les opposants, tabasser les enfants emprisonnés, torturer au CED, etc. Il n'y a aucune prospective, il n'y aura rien du tout. Et puis, faire la propagande, oh, on va faire ceci. Les éco-matins, là, ils écrivent n'importe quoi. Je leur dis souvent, mais écoutez, si on croyait à tout ce que vous écrivez là depuis 20 ans, c'est que le Cameroun serait au-dessus du Japon. Parce que vous annoncez tellement de choses. L'éducation de base obligatoire pour que les enfants aillent à l'école de manière obligatoire jusqu'à avoir au moins le CPE. Au moins, je pense que c'est l'éducation de base et secondaire obligatoire, je crois. Je crois. Mettez les cœurs. L'éducation de base et secondaire obligatoire. Ça, c'est dans le programme de Maurice Kamto. La formation professionnelle, le développement, l'apprentissage, les facilitations pour l'insertion des gens. Paul aurait dû mettre l'argent dans l'apprentissage, il allait mettre l'agence dans le Fonds national d'emploi. Le Fonds national d'emploi prend un budget, vous avez un jeune qui arrive devant vous, essentiellement BTS action commerciale, BTS force de vente, BTS, c'est pas ça, l'employeur n'a pas ça. Le gars qui recrute, quand Obama a fait le paquet stimulus aux États-Unis, il met l'argent dans les PME, les petites entreprises. Le boulanger, le blanchisseur, le charpentier, parce que c'est eux qui recrutent tous les jours. On leur donne les moyens, on met des programmes, on leur forme des hommes. Quand les gens sont bien formés, l'employeur le paye. Quand le type connaît le travail, l'employeur lui donne les moyens. L'employeur l'embauche et lui paye bien. Mais c'est quand les bricoleurs que l'employeur ne le paye pas bien. Et le plan de Kamto avait un plan de formation par l'apprentissage. C'est ça qui a fait le succès de l'industrie allemande. À partir du moment où on met les moyens dans l'apprentissage et non pas la création des ministères de l'emploi et la formation professionnelle EDP qui absorbent un budget de presque 20 milliards par an, alors que si on mettait ça dans l'apprentissage tout de suite, on aurait les résultats. Ça, c'est dans le programme de Maurice Kamto. L'appui à l'entrepreneuriat, lui-même, il a dit, on vous forme d'abord, après on vous donne des microcrédits pour créer des très PME, des TPME. Ceux qui veulent discuter, moi je prends toujours un exemple. Prenez une fille qui allait étudier l'esthétique coiffure chez Viva et prenez une qui se débrouille tout seul au marché Dakar. Celle qui est au marché Dakar met les gens sur un tabouret, elle arrête les cheveux comme ça, ça. Celle qui est allée chez Viva, on lui a montré tout le monde comment gérer un institut. Généralement, elle crée des instituts de classe internationale. Après un an, ils ont deux vécu dehors. C'est parce qu'il n'y a pas la formation. Quand on forme, le niveau de service est relevé. Même ceux qui ne sont pas formés commencent à perdre parce qu'on se dit, ah, les gens, les clients ne viennent plus. Ils préfèrent aller là-bas parce que c'est propre, la qualité de service y est. Ça veut dire que si le potentiel pour les instituts de beauté au Cameroun, c'est 50 000,
le jour où 20 000 s'installent déjà bien formés, les 30 000 n'auront pas d'autre choix que de se former ou disparaître. Donc, ça relève le niveau, le standard de qualité de service. Ça, c'est dans le programme de Maurice Kamto. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent me demander là. Ils me donnent leur WhatsApp PDF. Je vais leur envoyer ça. Ou leur email, pardon. Je vais leur envoyer ça. Je l'ai ici. Le développement du logement social et de l'habitat. On fera un live spécial sur le logement. La politique du logement que Paul Biya a mis là, un nul comme ça, là, nul. Vous avez vu que Tchakoutès se déplace pour aller inaugurer. Ça m'a fait rire à mourir. Que Tchakoutès s'est déplacé pour aller inaugurer 32 logements. 32. Tout un ministre pour 32 logements avec le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire. 32 logements. Ici aux États-Unis, là, la cité de 10 000 logements, c'est le maire. Le ministre ne voit même pas. C'est même pas le gouverneur, c'est le maire. Au Cameroun, 32 logements, c'est le ministre. Ailleurs, 32 logements, c'est le maire. Donc, quand j'ai 10 000 logements, c'est le maire. On fera un live. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent lire le programme de Kamto. Il y a toutes les informations à l'intérieur sur les questions du logement. Vous avez toutes les informations là à l'intérieur sur les questions du logement. Voilà. Ensuite, c'est le dernier point par lequel je finis là. Mon live, il est presque fini. Ceux qui sont Camerounais savent très bien que la région Bamileke a une très grâce, comment on dirait, a une très forte diaspora. Parce qu'avec le maquis, tout ce qu'ils ont vécu, beaucoup de gens avaient fui à l'étranger. La région Bassa aussi a ces problèmes-là. Moi, ceux qui connaissent, moi je connais bien la France. Vous êtes dans des bastions comme Lyon, il y a les bastions. Bordeaux, ils sont très nombreux parce que les gens avaient fui la France, le pays à l'époque, parce qu'on rasait pratiquement le pays Bassa et le pays Bamileke, etc., etc., etc. Donc, quand vous regardez ça, c'est comme les régions de Grassfield. La conséquence de tout ça, c'est qu'ils ont une forte diaspora. Mais cette diaspora-là ne parvient pas à rapatrier ses fonds pour investir au pays parce que l'État n'a pas créé les couloirs. Ça veut dire les couloirs où ils peuvent rapatrier l'argent. Les couloirs où ils peuvent acquérir des actifs. Des couloirs où ils peuvent investir dans des sociétés anonymes. Des couloirs où ils peuvent faire des placements de leurs actifs financiers au Cameroun, etc., 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 etc. La non-reconnaissance de la double nationalité est un obstacle. Les histoires de visa pour retourner est un obstacle. Il n'y a pas de partenariat entre notre banque centrale et les banques internationales, et nos banques commerciales et les banques internationales. Il y a plein de choses que je ne veux pas évoquer là. Tous ces points, nous les avons étudiés. Nous les avons listés. Tous les goulots d'étranglement, nous avons mis dans des tableaux croisés dynamiques. Goulot d'étranglement 1, solution 1. Goulot d'étranglement 2, solution 2, boulot de tremblement 3, et le professeur Maurice Kamto les a. Pour une zone qui a une forte diaspora, comme le pays Bassa, je dirais ça comme ça, comment peut-on dire que quelqu'un comme Kamto qui arrive, qui est décidé à mettre en place la reconnaissance de la double nationalité que Paul Biya refuse aux autres, à ses enfants-là, c'est Kamto qui devient subitement l'ennemi. Comment peut-on dire que Kamto qui veut mettre en place des couloirs pour que le pays Bassa se développe, c'est Kamto qui vient subitement l'ennemi? Il faut être méchant pour dire certaines choses sur quelqu'un. Franchement, faciliter la construction du logement. Combien de... Bon, on va s'arrêter ici là parce que, bon, ils ont signalé encore, ça coupe là, bon. On va s'arrêter ici là, on va terminer le live là. Franchement, je suis désolé. Ce que je vais faire, je vais pré-enregistrer le live et je vais les poster directement sur Facebook. Comme ça, les gens qui pensent qu'ils nous font du mal en signalant là, ils vont voir ça sur Facebook et ça va passer en vidéo. Et donc, je vous reste ce qu'ils vont faire à ce moment-là. Comment ils vont encore signaler? Comme je vous ai dit, j'ai un dispositif anti-signaleur ici, là.